وتنفتح البصائر بعد غين، فتنكشف الغياهب والغيوب، وينسى ظلم من ظلموا، وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui le thème c'est les noms d'Allah, les noms de Dieu, comment connaître Dieu. Alors, en guise d'introduction, nous savons que du point de vue de la foi musulmane, il y a des indices qui nous renvoient à notre Créateur. La première catégorie d'indices, c'est que Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqi as-samawati wal-ard wa ikhtilafi al-layli wan-nahar la ayat li ulil albab. Certes, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et donc, le premier indice qui nous renvoie au Créateur, ce sont en fait l'ensemble des signes de la création. Tout élément dans la création nous renvoie à Allah subhanahu wa ta'ala, à son Créateur. Dans les cieux, dans la terre, dans l'espace, dans l'alternance de la nuit et du jour, le temps qui passe également et tout ce qui est compris dans cet espace, eh bien, comporte des indices qui nous renvoient nécessairement à Dieu, une cause première. Premier indice. Deuxième indice, c'est en fait la fitra. La fitra, c'est la nature originelle que Dieu a donnée à l'être humain lorsqu'il l'a créé. Et il y a un hadith dans lequel notre prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ma min mauloudin illa yuladu ala al-fitra, fa abawah yuhawidanihi ou yunassiranihi ou yumajjisanih. » Donc, ce qui signifie en substance, tout nouveau-né naît selon la fitra, selon cette nature originelle qui nous renvoie d'ailleurs à l'islam. Ce sont ses pères et mères qui en font un juif, un chrétien ou un mage, un adorateur du feu. Donc, en d'autres termes, l'islam est considéré comme étant dinul fitra, la religion naturelle, et cette religion naturelle, elle correspond à ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Nous avons été créés pour suivre le chemin de l'islam, de la soumission à Allah. Ce qui signifie en clair que nous avons en nous déjà, de façon originelle, une propension à reconnaître notre Créateur unique. Et cela d'ailleurs est relevé dans le Coran, dans Surat Al-A'raf, puisqu'on y trouve ce passage où il est dit que Allah a tiré de la descendance des fils d'Adam, de leur dos, des dos des fils d'Adam, leur descendance, et qu'il leur a dit « Alestu bi rabbikum, ne suis-je pas votre maître, votre Seigneur ?» Qalu bala shahidna, ils ont répondu « Si, nous en témoignons. » Donc, toutes les créatures, tous les êtres humains, tous les descendants d'Adam, au fond d'eux-mêmes, ont reconnu que Allah est leur Seigneur. Cela fait partie de leur identité profonde, de cette nature originelle dont nous parlons. Et donc, c'est par là même qu'on reconnaît aussi notre Créateur par cette religion naturelle, par cette nature humaine. Il y a une lumière naturelle en l'homme, puis il y a une lumière qui vient de la révélation, d'où l'expression « nourun ala nour », lumière sur lumière. Et de cette jonction entre les deux lumières, eh bien, naît une orientation qui permet à l'être humain de se développer, de prospérer, d'avancer selon les règles de l'islam, selon les règles de la religion naturelle qui correspondent à sa nature, à son tempérament, à la façon dont Dieu l'a conçu précisément. En fait, le tawhid en nous est comme une graine, et on a
une conscience que cet univers a un créateur au fond de nous-mêmes. Pour chaque être humain, au fond, c'est enfoui. Nous avons témoigné de la chose dans un stade pré-existentiel dont on ignore complètement la modalité. Mais cela est dit dans le Coran très clairement et cela est au fond de nous. En d'autres termes, lorsque l'être humain reçoit la révélation, il a au fond de lui-même une graine et la révélation, son symbole dans le Coran, c'est très souvent l'eau qui tombe du ciel et qui va permettre à la végétation de croître et de grandir. De la même façon, l'être humain porte en lui-même cette graine de la religion naturelle et quand la révélation se fait, eh bien, il peut ainsi prospérer. Et si on réfléchit, il y a par là même un troisième indice au-delà de cette nature originelle, c'est précisément la révélation. Cette révélation, elle va aller plus loin que ce que peuvent concevoir les philosophes ou les penseurs. Il y a des penseurs qui ont dit « cet univers a nécessairement une cause unique, un être premier, une essence ». Et ils ont réfléchi au niveau simplement de leur investigation rationnelle pure pour aboutir à cette conclusion qu'il y a un Dieu qui est créateur, qu'il y a une cause première. Mais au-delà de cela, ils ne peuvent rien dire. Et là est toute la différence entre la pensée purement théorique des philosophes et ce que nous apportent les prophètes, que Dieu les couvre de sa bénédiction et de sa paix, qui se sont succédés pour nous dire ce que Dieu dit de lui-même. Et là, on a un éclairage qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant. Donc la révélation, elle va nous permettre de connaître les noms et les attributs d'Allah, de Dieu subhanahu wa ta'ala. Premier point que l'on peut relever, c'est que Allah, c'est le nom propre de Dieu. Et c'est un nom qu'on va retrouver dans toute la tradition de la révélation depuis Ibrahim, depuis Abraham et même au-delà. Le mot Allah est un nom propre et le mot Ilah est un nom commun. On peut mettre devant un article, on peut dire El Ilah, le Dieu, on peut dire El Aliha, les dieux, donc c'est un nom commun. Mais quand je dis Allah, c'est un nom propre et il se nomme ainsi. Et ce mot Allah, eh bien, on va le retrouver, encore une fois, à travers toute cette tradition. Par exemple, nous avons le fait que dans Matthieu, il est rapporté que Jésus aurait dit en langue araméenne « Eli, Eli » pour dire « mon Dieu », c'est traduit ainsi. En arabe, on dit « Ilahi, Ilahi, mon Dieu ». On retrouve dans l'Ancien Testament le terme « Elohim » et ce « Elohim », c'est une forme plurielle de majesté qu'on retrouve dans le Coran « Allahum ». Donc d'abord, il faut considérer que ce nom propre, il est universel à travers toute la tradition révélée. Ensuite, Allah, c'est un nom propre et tous les autres noms vont avoir une valeur qualitative. Quand je dis Allah ou Ar-Rahman, Dieu est lui le très miséricordieux. À travers cet attribut, quand je dis Allah ou Ar-Rahman, ce nom divin, Ar-Rahman, va me permettre d'avoir un éclairage sur Allah à travers la notion de miséricorde. Et ainsi pour tous les autres noms que l'on va rencontrer dans notre lecture du Coran et dans la lecture des sources de la tradition islamique. Donc là encore, on peut remarquer la différence qu'il y a entre la pauvreté des concepts philosophiques qui me parlent d'un être dont on ne sait pas grand-chose, opposé à un néant dont on ignore tout, et puis on parle d'essence, de cause, et puis on s'arrête là, on ne peut pas aller plus loin. Par contre, on va voir avec les noms divins qu'on a vraiment là une richesse qui est propre à la culture musulmane. D'ailleurs, on pourrait faire cet exercice avec telle ou telle personne d'autres traditions qui croient en Dieu, de lui dire « mais Allah, Dieu, comment est-ce que vous le nommez ?» Ils vont nous dire « Dieu » selon les langues. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui au niveau des noms? Est-ce que vous pourriez le nommer autrement? Et vous verriez qu'il prendrait 2, 3, 4 noms. Oui, Dieu est amour, Dieu est, et puis il penserait à 2, 3, 4 noms. Mais venir avec 99 noms, c'est quelque chose qui est inconcevable pour l'être humain, par lui-même. Et on sait qu'il y a encore plus que 99 noms, en réalité, quand on regarde dans le Coran, dans la Sunna, et on sait que Dieu s'est réservé exclusivement des noms que nous ne connaissons pas, donc cela dépasse tout ce que nous pouvons nous-mêmes nous représenter, en l'occurrence.
Et effectivement, Dieu n'a pas seulement que, n'a pas que 99 noms, il en a plus. Par exemple, quand on va regarder dans les textes, dans le Coran, on a des passages qui nous parlent de ces noms. Par exemple, Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, « Hu Allahu alladhi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wa shahada, huwa ar-Rahmanu ar-Rahim. » هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Cela signifie, c'est lui Dieu, il n'y a de Dieu que lui, il connaît le monde caché, le monde apparent. Il est le très miséricordieux, le tout miséricordieux. C'est lui Dieu, il n'y a de Dieu que lui, le souverain, le saint, la paix, le témoin intègre, l'arbitre suprême, le puissant, le contraignant, le superbe. Gloire à Dieu, il est bien au-dessus de tout ce qu'il lui associe. C'est lui Dieu, le créateur, le novateur, le formateur. À lui appartiennent les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Et c'est lui le tout-puissant, l'infiniment sage. La tradition nous rapporte effectivement que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a 99 noms. Inna lillahi tis'atan wa tis'in isman, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhala al-jannah. Ce qui signifie Dieu a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les retiendra, ahsaha, entrera au paradis. Ahsaha, cela signifie retenir par cœur, mais on doit aussi comprendre, comme le dit par exemple El-Azhari, celui qui les retiendra avec connaissance et foi, en ayant la certitude que ce sont vraiment les attributs d'Allah, les attributs de Dieu, comme cela est rapporté dans l'Isan El-Arab, en l'occurrence. Ensuite, vous avez dans une version, ça, ce hadith que je viens de citer, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et vous avez une version que rapporte At-Tirmidhi où il y a, où sont mentionnés les 99 noms. Je ne vais pas les lire ici, on les trouve à travers les ouvrages consacrés au nom d'Allah. Il existe en fait trois versions de ce hadith. J'en ai donné une dans le livre « Les noms divins » et on peut s'y reporter avec le sens de chacun de ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette liste n'est pas exhaustive. Comme je l'ai déjà dit, il existe d'autres noms qu'on trouve encore ailleurs. Par exemple, dans le Coran, on trouvera le nom El-Khalaq, le créateur suprême. Eh bien, on trouvera également aussi dans la tradition d'autres termes par lesquels Allah est nommé. Par exemple, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, « La tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr » N'insultez pas Ed-Dahr ou Ed-Dahr ou Ez-Zaman, n'insultez pas le temps, car Dieu, lui, est le temps. Mais il faut comprendre, le temps, ce n'est pas le temps qui passe et qui fait partie de la création d'Allah. Cela signifie que tout ce qui arrive dans le temps est une expression de la volonté divine, donc n'insultez pas le sort. Quand la chose arrive, elle arrive, et donc il faut l'admettre. Par rapport à notre croyance en le destin, cela est important. Vous avez également le grand imam As-Suyuti, par exemple, qui rapporte un hadith où il est question du fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voit un malade qui gémit et il dit « Da'uhu ya'in, fa innal anin ismun min asma'illah » Laissez-le gémir, car le gémissement est l'un des noms de Dieu. Donc c'est d'une façon de dire que quand il va exprimer sa douleur, et s'adresser à Dieu par cette plainte qui vient de son gémissement, il s'adresse en fait à Allah. Donc vous voyez qu'on peut aussi élargir ce concept en regardant ces traditions-là. Celle de Es-Suyuti n'a pas la même valeur que celle que j'ai citée précédemment, mais on peut quand même la considérer. Un autre point, c'est que l'on ne doit pas nommer Dieu autrement que par ses noms, les noms que lui-même nous donne. Les qualités, les attributs que nous-mêmes, qu'il nous a transmis. Et tout cela est important. Autre point qu'on peut relever, c'est que ces noms ont une fonction. Ils vont libérer l'être humain de l'idolâtrie.
Si on regarde dans la liste qui est donnée dans la version de At-Tirmidhi, on commence par un premier nom, une première expression. « Wallahu alladhi la ilaha illahu » Il est lui Allah, lequel il n'y a de Dieu que lui, si je traduis mot à mot. Donc il n'y a de Dieu que lui. Donc déjà dans l'expression de l'unicité, une des qualités d'Allah c'est qu'il est unique, il y a quelque chose qui oriente le cœur du croyant dans le sens qu'il sait que Dieu est tout-puissant, il peut tout. Vous savez, un penseur disait, si ceux qui entendent le adhan se rendaient compte de ce que signifie la ilaha illallah, quand le muadhin appelle et dit ashhadu an la ilaha illallah, eh bien cela devrait se traduire par une transformation complète de leur société. Parce que la ilaha illallah, ça veut dire que Dieu seul peut, il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu seul peut d'un pouvoir absolu. Et ça va déterminer la conception qu'on a du pouvoir et donc de la politique. La ilaha illallah, ça signifie que Dieu seul possède toutes choses. Et cela va déterminer ma conception de l'économie. La ilaha illallah, ça signifie que Dieu seul sait toutes choses. Et ça va déterminer ma conception de quoi? De la culture et ainsi de suite. Donc le la ilaha illallah va avoir un impact sur ma vie. Quand je dis que Dieu est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, cela me conduit à ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, d'une part, et d'autre part, cela me conduit également à me comporter avec compassion vis-à-vis des créatures. Bien entendu, je ne vais pas comparer la miséricorde telle qu'elle est en Dieu à la miséricorde telle qu'elle est dans la créature. Cela n'est qu'un pâle reflet de la réalité de la miséricorde divine. Il n'y a pas de comparaison possible entre le Créateur et la créature. Par exemple, lorsque je dis de Dieu qu'il est « alim », il sait, « allam », il a vraiment une très grande connaissance, « alim », il est omniscient, tout ça, ça a la même racine, ça veut dire que Allah connaît dans l'absolu. Mais lorsque je dis d'un homme « huwa alim », c'est un savant, ça veut dire que c'est un homme qui a du savoir. Bien entendu, il n'existe aucun rapport entre le savoir de Dieu qui est absolu, qui est parfait, qui est total, et le savoir d'un être humain qui est nécessairement infime par rapport à la connaissance divine. Donc ça, c'est un point qui est important, mais les noms divins vont me renseigner aussi sur le fait que, eh bien, cette miséricorde, pour moi, elle est un modèle, mais sans comparaison possible. Et là, j'aimerais vous lire un extrait de propos de Ibn al-Qayyim al-Jawziya, qui justement, par rapport à ses qualités divines, nous fait comprendre qu'elles sont un modèle sans comparaison possible, encore une fois, pour certaines de ses qualités, pour certains de ses noms. Et puis, deuxièmement, que Dieu agit vis-à-vis de nous comme nous agissons vis-à-vis de ses créatures. Alors, le passage nous dit ceci. Dieu est, qu'il soit glorifié et exalté, tout miséricordieux, Rahim. Il aime ceux qui sont miséricordieux. Il ne fait vraiment miséricorde qu'à ceux qui sont miséricordieux parmi ses serviteurs. Il est celui qui cache les faiblesses humaines, Satir. Il aime celui qui cache ainsi les faiblesses de ses semblables, de façon à éviter le scandale. Il est indulgent, Afou. Il aime celui qui se montre indulgent vis-à-vis de ses serviteurs. Il est tout pardonnant, Rafour. Il aime celui qui leur pardonne. Il est subtil, bienveillant, Latif. Il aime celui qui se montre bienveillant vis-à-vis d'eux. Je vais plus loin dans le texte et voilà ce qu'il ajoute. Il est au contraire précis à relever les erreurs de celui qui relève les erreurs d'autrui pour faire valoir ses droits. Autant toi-même, tu réclames tes droits et tu relèves les erreurs de ton frère, autant Allah peut faire en sorte de relever tes erreurs à toi et ce que tu lui dois à lui, subhanahu wa ta'ala. Il est doux vis-à-vis de celui qui est doux pour ses serviteurs. Il fait miséricorde à qui est miséricordieux vis-à-vis de ses créatures. Il est bienfaisant envers celui qui est bienfaisant envers elles. Généreux pour qui se montre généreux pour elle, utile pour qui leur est utile. Il cache les faiblesses de qui cache leurs faiblesses. Il se détourne des erreurs de qui se détourne de leurs erreurs.
Ils découvrent les faits intimes et honteux de celui qui cherche à découvrir leurs faits intimes et honteux. Ils déshonorent et livrent au scandale qui les déshonore. Ils privent de son bien celui qui les prive de son bien. Donc si toi tu vas chercher l'erreur de ton frère, tu vas aller pour voir ce dont ton frère a honte et qu'il cache, et tu essayes de découvrir les choses, et puis tu vas faire du scandale et en parler, le dire, Allah fera avec toi la même chose dans la mesure de ta propre faiblesse pour te montrer à toi-même que finalement tu aurais dû protéger ton frère en cachant son erreur, en faisant en sorte qu'il se corrige, mais sans, en évitant pour lui-même le scandale. Vous voyez, ce passage, il est intéressant parce qu'il nous montre en fait que les noms divins, c'est en fait non pas seulement une connaissance théorique, mais pas du tout, c'est un lien qu'on a avec le Créateur qui va engager de ma part un comportement qui va faire en sorte que je règle ma conduite par rapport à ces qualités divines. Certaines, je dois chercher à les adopter dans la mesure de ce que je suis en tant qu'être humain, et en même temps, je dois reporter cela sur mes semblables pour bénéficier à mon tour de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre point qu'on peut relever, c'est que l'islam rejette l'anthropomorphisme et l'agnosticisme. Et on le voit à travers ce qu'il expose au niveau des noms divins. Vous avez un passage dans le Coran qui vous dit « Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir » Rien ne lui est semblable et il est celui qui entend et voit absolument. « As-sami'a » on pourrait traduire par « l'oyant » El-Basir, le clairvoyant, mais on va dire celui qui entend et voit absolument. Ce passage du Coran, il est prodigieux parce qu'il nous montre d'une part que rien ne peut être comparé à Allah, mais il nous montre également que Allah a des noms. Il est celui qui entend, il est celui qui voit. Et donc, à travers ces noms, je peux savoir et connaître quelque chose d'Allah. Si maintenant, par rapport à ce verset, je cache la deuxième partie et je dis « Laysa kamithli shay » rien ne lui est semblable. Il n'y a rien qui lui soit semblable, identique. Si je m'arrête sur ce passage, eh bien Dieu étant unique, cela signifie que je ne peux rien lui comparer. Or, vous savez que la connaissance des êtres humains procède par assemblage et puis ensuite par définition ou distinction au sein d'un ensemble. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, je veux décrire ce qu'est le mélèze, c'est un conifère. Donc je vais dessiner l'ensemble des conifères, des arbres qui ont des cônes, et puis je vais dire que le mélèze a certaines caractéristiques, mais c'est un conifère. Puis je vais mettre le sapin, et je vais voir qu'il y aura une distinction entre l'un et l'autre. Donc d'abord, je mets dans un ensemble des éléments qui se ressemblent, puis dans cet ensemble, qu'est-ce que je fais? Je viens et je détermine les détails spécifiques de chaque élément. Ce n'est pas très très compliqué, on peut faire ça même avec des enfants. On prend l'ensemble des oiseaux, on fait cet ensemble, puis on met le pinson, le corbeau, le canari. Le canari va se distinguer par sa livrée jaune, le corbeau, vous connaissez comment on peut le décrire, et ainsi de suite. Mais tous les deux sont des oiseaux. Définir, c'est rassembler ceux qui se ressemblent, puis distinguer au sein de cet ensemble ce qui fait la différence. Il faut ces deux opérations pour connaître ce qu'est une chose. Mais quand je dis « La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah », le « la », les grammairiens arabes disent « Huya la innafiya lil jins ». C'est le « la » qui marque la négation du genre. Donc si j'essayais de faire un ensemble de divinités, dès le départ, l'islam me dit « la ilaha ». Je mets une croix là-dessus, ce n'est pas possible parce que Dieu est unique. Donc en d'autres termes, ensuite je vais ajouter « illallah », sinon « Allah ». Donc si on réfléchit bien, Dieu, on ne peut pas le définir comme on définit autre chose. Donc si je m'arrête à cette parole « laysa kamithli shay », rien ne lui est identique, il n'y a rien qui lui soit semblable, je vais nécessairement aller dans le sens de me dire, ben dans ce cas-là, je ne peux rien dire de Dieu, je n'en sais rien. L'agnostique, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement athée. Il vous dira, moi je ne sais pas ce qu'il en est, je ne crois pas, je n'affirme pas, je ne confirme pas, je ne peux rien connaître.
parce qu'il a cette perspective de quelque chose qui dépasse à la fois sa perception rationnelle et au niveau des sens. Très bien. Mais maintenant, on fait l'opération inverse. On cache la première partie du verset. On a « wa huwa as-sami' al-basir ». Il est celui qui entend et qui voit absolument. Si je m'arrêtais à cette partie, eh bien, j'en viendrais à considérer que Dieu entend et voit, et donc qu'il est doté d'un appareil visuel, auditif, comme celui de l'être humain. J'en viendrais à me représenter Dieu sous forme humaine, l'anthropomorphisme. Or, cela est condamné par l'islam. On ne peut pas représenter Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais si maintenant je mets ces deux parties du verset ensemble, alors je vois que Allah me montre que je ne peux rien lui comparer, et cependant, il me donne une voie pour le connaître, ce sont les noms divins. Je vous signale que cet aspect des choses a fait que, par exemple, un théologien, un jeune théologien catholique, eh bien, s'est intéressé à cela, et à un moment donné, dans son parcours, s'est dit, mais puisque Dieu, je ne peux pas le représenter, il est unique, il est au-delà de tout ce que je peux imaginer, je ne peux rien savoir. Il était troublé par cette position, et quand il a compris cet aspect des noms divins, il a dit, mais voilà, ici, sans tomber dans l'idolâtrie et la représentation de Dieu par une image, je parviens tout de même à connaître Allah à travers les noms divins. Un autre aspect que l'on retient dans l'islam, c'est l'invocation par les noms. « وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا » À Dieu appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le au niveau de ces noms. Et on sait que c'est une pratique constante qu'on va retrouver à travers les enseignements de l'ensemble des messagers de Dieu. Également dans le livre « Les noms divins », j'ai donné des exemples, des invocations que pouvaient faire par exemple Nuh, Noé, ou bien Ibrahim, ou bien Moussa, ou bien Issa, tous ces prophètes, que Dieu les couvre de sa miséricorde, de paix, de salut, tous ces prophètes sont venus, en fait, et ils nous ont enseigné la même chose, nous adresser à Dieu et l'invoquer au moyen de ces noms. La tradition rapporte également que Allah, subhanahu wa ta'ala, a un nom suprême. Et ce nom suprême, ça caractéristique, c'est que lorsqu'on invoque Dieu en utilisant ce nom, il répond à notre invocation. Alors, il y a un hadith dans lequel il nous est dit qu'un jour, le messager de Dieu avait vu, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, un homme qui faisait l'invocation suivante. Il disait, « Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa ant, al-ahad » الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قال donc le prophète a dit فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سال الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى donc d'après Buraïda le prophète صلى الله عليه وسلم entendit un homme invoquer Dieu en disant ô grand Dieu, je te demande du fait que je témoigne que c'est toi qui es Dieu, il n'y a de Dieu que toi, l'unique, le maître absolu, qui n'engendre pas et qui n'est pas engendré et qui n'a pas d'égal. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, par celui qui tient mon âme dans sa main, il a certes imploré Dieu par son nom suprême, nom par lequel, si on l'invoque, il répond, et si on lui demande, il donne. Donc Allah a un nom suprême, Ismullah al-Azam. Quand tu t'adresses à lui et tu lui demandes par ce nom, il répond à ton invocation. Et en ce qui concerne ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah, Al-Munziri a affirmé, notre maître Abul Hassan al-Maqdisi a dit, la chaîne de transmission de ce hadith n'a pas de défaut. En tous les cas, Ibn Hajar al-Asqalani a affirmé que ce hadith est celui qui est le plus proche de l'authenticité, le meilleur auquel on puisse se tenir sur cette question du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, il existe une quarantaine d'opinions, comme le relevait l'imam Hassan al-Banna rahimahullah, autour de cette question du nom suprême d'Allah. Par exemple, ça pourrait être « Ya dhal jalal wal ikram », ça pourrait être « El Mannan », ça pourrait être, bon, il y a une série d'invocations qui est donnée, ou bien
Asma bint Yazid a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ismullah al-A'zam fi hatayn al-ayatayn. Le nom suprême de Dieu figure dans ces deux versets. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Et votre Dieu est un Dieu unique, il n'y a de Dieu que lui, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Wa fatihati Ali Imran, et au début de surat Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, il n'y a Allah, il n'y a de Dieu que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même et qui assure la subsistance et le maintien de sa création. Puis vous avez d'autres éléments qui nous sont donnés autour de cela. Par exemple, le nom suprême se trouve dans l'invocation que fit Jonas, Younous, lorsqu'il était dans le ventre du poisson dans les trois ténèbres, les ténèbres de la nuit, de la mer et du ventre du poisson. Et alors qu'il était dans cette situation, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « La ilaha illa an subhanaka inni kuntu min al-zalimin ». Dans le hadith, il est dit « Vous indiquerai-je quel est le nom suprême de Dieu, nom par lequel, si on l'invoque, il répond ?» Et si on lui demande, il donne, c'est l'invocation que fit Jonas alors qu'il se trouvait dans les trois ténèbres. Puis il y a d'autres éléments qui sont donnés autour de cette question du nom suprême d'Allah. On remarque que ce nom suprême, on peut le déterminer à travers les hadiths, mais on n'est pas sûr quel est ce nom suprême. Et en cela, il y a une grande miséricorde qui nous vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que ne connaissant pas spécifiquement quel est ce nom suprême, on va multiplier nos invocations en le recherchant à travers ce qui nous est dit dans la tradition, en l'invoquant à travers chacun de ces noms. Certains même sont allés jusqu'à dire que le nom suprême, il est fonction de l'état de celui qui invoque Dieu. Si quelqu'un, par exemple, est malade, très malade, et au fond de lui-même, il ressent cette difficulté, cette maladie, et il s'adresse à Dieu de tout son cœur, il dit « Ya Shafi, Ya Allah, Ya Shafi », au moment où il dit cela, ça sort de son cœur, et c'est là où Dieu répond à son invocation parce que ce nom-là devient dans cet état et ce contexte le nom suprême. Vous voyez, vous avez aussi cet avis-là qu'on peut relever, mais quoi qu'il en soit, c'est important de savoir que les noms divins sont là également pour nous permettre de progresser. Ils sont là pour nous permettre de nous édifier au point de vue de la morale, du comportement, comme on l'a dit, vis-à-vis de nos semblables, vis-à-vis de notre Créateur. Mais ils sont là également pour invoquer, nous mettre dans une situation d'humilité devant Allah et l'appeler par ses noms. Également, j'aimerais terminer, puisque aujourd'hui nous nous trouvons dans une situation particulière, le coronavirus sévit, c'est une épidémie qui s'étend à travers la contagion, on en parle beaucoup. Et nous, en islam, on a vraiment tout ce qu'il faut pour nous protéger, pour nous orienter, pour répondre à la maladie. Il y a un hadith qui est authentique, dans lequel le messager de Dieu nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Othman ibn Affan, radiallahu anhu, que tout adorateur ou serviteur qui dit le matin, dit chaque jour, le matin de chaque jour et le soir de chaque jour, au nom de Dieu, celui dont avec le nom, rien ne saurait nuire sur terre ni au ciel, et il est celui qui entend tout, l'omniscient, qui dit cela trois fois. On va bien entendu le dire en arabe et faire cet effort. Donc, raison pour laquelle j'ai là un document avec la translittération phonétique pour ceux qui veulent apprendre cette invocation. Bismillah alladhi la yadurru ma'asmi shay'un fil ard wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. On dit cela trois fois. Et donc, celui qui dit cela, il se verra protégé de tout mal. Parce que le prophète nous dit que celui qui dit cela trois fois, rien ne lui nuira. Donc, en d'autres termes, cette invocation nous protège de toute nuisance, de toute maladie et de toute épidémie. Donc ça, c'est un point qui est important. Mais si on regarde un peu plus près ce hadith, cette parole, on dit « Bismillah » au nom de Dieu. Et « Bismillah », c'est un « jar » et « majrour ». Donc, pour ceux qui connaissent un peu les règles de la grammaire arabe, qui est « muta'alliq »,« muta'alliq » ou « muta'alliq bimahdouf », qui, en fait, suppose quelque chose qui vient avant, selon les circonstances.
Bismillah, adkhul. Donc j'entre dans tel endroit, je dis Bismillah. Donc je demande la protection et la grâce de Dieu et l'aide de Dieu pour entrer dans cet endroit. Bismillah, je prononce cette parole et je vais commencer à lire le Coran. Donc au nom de Dieu, par la grâce de Dieu, accompagné par Dieu, je vais lire le Coran. Alors quand je dis Bismillah, c'est une forme de dhikr. Or le dhikr, par définition, il nous protège. Fadhkuruni adhkurkum. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Donc quand je dis Bismillah, très clairement je me mets sous la protection d'Allah. Et également, je vais agir ou je vais prononcer tout cela par sa grâce, grâce à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un premier point. On peut aussi rappeler le contexte de ce hadith. Aban ibn Uthman rapporte ce hadith qui est transmis par Abu Daoud et Tirmidhi, en l'occurrence. Et Aban ibn Uthman, eh bien, le fils de Uthman, il racontait, il disait ce hadith dans une assemblée. Et dans cette assemblée, quelqu'un regardait, le regardait quand il disait cela, et en fait, il avait un problème, c'est que à l'une des extrémités de ses membres, il était atteint de paralysie, Aban. Alors, en disant ce hadith, quelqu'un le regardait, et dans ce regard, il a lu le fait que l'individu se disait à lui-même, mais si tu vraiment ce hadith te protégeait, t'avait protégé, eh bien, tu serais pas dans cet état au niveau de cette paralysie. Alors, il a tout de suite compris ce que signifiait ce regard. Il lui a expliqué, le jour où j'ai été atteint par cette maladie, j'avais oublié de le dire le matin 3 fois, ou le soir 3 fois, selon les circonstances, j'avais oublié de le dire. Et Dieu a fait en sorte que je l'oublie pour que son destin s'accomplisse. En d'autres termes, il lui explique que ce hadith, il est authentique, effectivement. Et ce hadith, il nous montre que si le prophète le dit, c'est la vérité. En d'autres termes, puisqu'on comprend cela, il faut se rendre compte que les noms d'Allah, et quand je dis Bismillah au nom de Dieu, c'est quelque chose de très très important qui doit m'accompagner dans ma vie. Et ce hadith-là, en le répétant, cette parole, cette invocation, le matin 3 fois, le soir 3 fois, je suis sûr d'être protégé contre la nuisance et la maladie. Donc vous voyez que c'est une chose qui est importante. En plus de ça, dernier enseignement, c'est que on va tirer de cela un enseignement important, c'est que quand on accomplit un acte qui nous protège ainsi, il faut être assidu. Il ne faut pas délaisser la chose. Donc j'ai fait des photocopies ici, vous pourrez prendre quelques exemplaires. Je vous recommande de les prendre, de lire cette invocation. Mais en plus de cela, je vous recommande de la transmettre aux autres. On peut faire une photo aujourd'hui, transmettre d'une façon ou d'une autre, surtout dans les circonstances que nous vivons. Et ça, c'est un exemple pratique de la bénédiction qu'il y a dans notre lien avec les noms d'Allah. On ne fait qu'introduire le sujet, comme vous pouvez le constater, parce que notre temps est limité. Mais j'aimerais juste ajouter une chose. Il y a une science des noms divins qui est une science prodigieuse, qui va très très loin. Les ulamas, pour se permettre de progresser au niveau de la spiritualité et de leur approche d'un état de perfection, ils prenaient ces noms les uns après les autres et ils essayaient de mettre en pratique tout ce que cela pouvait comporter au niveau des enseignements de l'islam. Par exemple, El-Karim, Dieu est le noble et le généreux. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais observer l'univers autour de moi, je vais observer ma vie, je vais considérer toute chose autour de moi, et je vais observer que toute chose est une expression de la noblesse et de la générosité d'Allah. Le nombre de péchés que je commets, le nombre et le pardon dont il me couvre de façon constante, en tenant la porte ouverte pour me dire « viens, suis le droit chemin », c'est quelque chose d'extraordinaire. Chacune de mes respirations qui me permet de vivre est une expression de cette générosité, de cette noblesse. Le fait que Dieu rende constamment le bien pour le mal qui vient de moi, comme je viens de le dire. Et si je regarde tous les éléments de la création, ils expriment une forme de générosité. La graine qui donne l'arbre, qui donne des fruits, qui comporte plusieurs graines, la profusion dans la nature. Tout cela, je le regarde et quand quelqu'un est croyant,
Et c'est qu'il y a la main de Dieu, subhanahu wa ta'ala, derrière tout ce qui évolue, progresse, fleurit, grandit. Les yeux d'un enfant, le sourire d'un enfant, tout ce qui peut nous toucher, tout cela, c'est une expression de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle est immense. Alors, il faut commencer à regarder le monde et voir dans le monde l'expression des noms divins. Dans le monde a été créé par Allah. Donc, quelque part dans l'univers, il y a ce qui exprime ces noms. Quand je vais commencer à voir l'univers à travers ces noms, je verrai les choses avec beaucoup plus de lucidité, de compréhension, d'amour, de réalité. Je vais réaliser que l'islam, c'est une religion de foi. Une religion qui demande que mon cœur s'ouvre, que mon cœur soit généreux. Ce n'est pas une religion simplement mentale où on aligne des connaissances et puis on ressort de là avec une idée. Oui, c'est une conception de vie. Simplement comme ça, théoriquement. C'est au contraire quelque chose, la science des noms divins, ça doit complètement me transformer. Je prends les noms les uns après les autres comme cela et j'essaie de mettre en pratique. Et quand il mettait en pratique un nom, il pouvait passer un autre nom et ainsi progresser sur le plan de l'éthique et de la morale. Mais la générosité aussi, c'est que moi-même, je prenne pour modèle el-karam, la noblesse, la générosité. C'est-à-dire que je dois être généreux avec les créatures. Je dois regarder autour de moi, mes parents, mes proches, mes voisins, les gens qui sont dans le besoin, je dois devenir quelqu'un qui est noble et généreux. Généreux dans tout ce que je peux faire. La générosité, ce n'est pas simplement de donner de l'argent. Ça peut être un sourire, ça peut être une ouverture d'esprit, ça peut être le fait de me soucier de tel ou tel individu, de sortir de mes propres limites, de moi-même, pour exprimer cette générosité vis-à-vis de ceux qui m'entourent. Et donner quelque chose, donner de moi-même, donner de mon temps, donner de mon bien, donner de ce que je peux donner avec générosité. Mais c'est aussi la noblesse. Et la noblesse suppose que si quelque sot vient m'insulter, eh bien je ne réponds pas par des insultes. Parce qu'un noble, il ne se rabaisse pas à insulter. Il va rendre le bien pour le mal. Et donc là aussi, je vais être en quelque sorte informé, formé, éduqué par les noms divins lorsque je reporte ces qualités à mon niveau en tant qu'être humain. Donc la science des noms divins est beaucoup plus large que ce que nous disons ce soir. C'est simplement une introduction, mais elle est prodigieuse, elle est très intéressante. Elle est d'ailleurs le sens même de notre vie, comme on le dit chaque fois. Dieu nous a créés pour son adoration, pour nous soumettre à lui. Et on ne peut l'adorer en vérité sans le connaître. On ne peut le connaître sans connaître ses noms divins et ses qualités. C'est à travers cela qu'on apprend à connaître notre Créateur. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى سوى شوق وواجد بروح في هوى الباري تذوب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح في هوى الباري تذوب